corps et ta selle. Tête en bas. Et on saute. Yahoo! Yahoo! Oh, Barbotine, il y a une algue qui s'est accrochée dans mes cheveux. Ce n'est pas très grave, étincelle. Ne vous inquiétez pas, les filles. Vous avez encore beaucoup de temps pour vous entraîner. Je sais bien, Mirou, mais je veux que tout soit parfait dans notre ballet aquatique. Allez, viens, on recommence. C'est vrai que le saut dans l'anneau est au point, mais on a encore des tas de choses à revoir. Elles sont géniales, ces deux petites sirènes. Mon nouveau sous-marin est génial aussi, Whiz. Il me tarde de l'essayer. Encore deux ou trois réglages, oui. Oh, pardon, Whiz. Excuse-moi. S'il vous plaît, faites attention, les sirènes. L'eau et les robots ne sont pas des bons amis. Désolée. Oh, allez, viens. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Tout ira bien. Fais comme si personne ne vous regardait et tu n'auras plus le trac. Bonne idée, Mirou. Prête? 1, 2, 3. Oui, on a réussi. Cette fois, c'était parfait. Recommençons tout de suite pour en être sûr. Oh oui, devant! Oh oui! Attention! On ne peut pas s'arrêter! Hey! Qu'est-ce qu'ils font là, ces pirates? Ils ne voient donc pas qu'on s'entraîne? Ah! Terre en vue! Oh! Disparu! Ah! La revoilà! Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce bateau fou? Oh hey, du bateau! Yeah! Oh hey, oui! Les pirates! Vous empêchez les sirènes de s'entraîner. Désolé, mais nous avons d'autres problèmes à régler d'abord. Oh, on ne peut plus arrêter le bateau. J'ai mal de mer. Arrêtez ça tout de suite. Impossible. Nous avons perdu notre ancre. Oh, vous avez déjà tout l'océan pour naviguer et vous voulez aussi notre port? Faites comme si on n'était pas là. Ne dites pas n'importe quoi. Et s'il vous plaît, arrêtez de tourner. Vous me donnez le vertige. Ils ont raison. Leur ancre a disparu. On ne peut pas montrer notre balai tant que le port est occupé par eux. Oh, Barbotine, quand je pense que nous avons travaillé si dur. Vous devriez avoir honte. Plus de balai aquatique à cause de vous. Whiz, j'ai besoin du sous-marin. Il est prêt? Oui, mais enfin, il faut encore faire un petit essai. Volontaire pour un premier essai. Allez, monte, Zim. On y va, mon petit Zim. Salut Étincelle, salut Barbotine. Vous m'aidez à retrouver l'encre des pirates? Et pourquoi les aider? Ils ont perturbé notre entraînement. Ils ne l'ont pas fait exprès. Tout notre travail est gâché. Mais non, plus vite on la retrouve et plus vite vous vous entraînerez. Mais vous n'êtes pas obligées. Vous êtes si brillantes toutes les deux. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr que je le pense. Allez, on recherche leur encre. Tiens, mets-toi là. Oh, merci beaucoup. Oh. Oh, je suis impatient de voir le ballet aquatique des sirènes. Ah oui, moi aussi.
Oh, pardon, monsieur Scarabée. Rien en vue? Non, rien. Étincelle? Non, rien du tout. Bonjour, monsieur Scarabée. Quelle journée merveilleuse pour assister à un ballet aquatique. On y est maintenant. On a réussi. Les pirates vont être contents. Espérons-le. On n'était pas obligés. Bien sûr qu'ils seront contents. Vous pouvez remonter, vous préparer pour le ballet aquatique. C'est oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Ohé, les pirates. Les sirènes m'ont aidé à retrouver l'encre. On l'a raccrochée à la chaîne. Tu dis que les sirènes t'ont aidé? Je croyais qu'elles étaient fâchées. Elles l'étaient, mais c'est oublié. Vous devriez leur dire que vous regrettez de les avoir dérangées. On va le faire. Mais où sont-elles? Elles se préparent pour le ballet aquatique. Oh, j'adorerais voir leur ballet aquatique. Pas question de rater ça. On lève l'ancre et on met le cap sur le port. Ouais. Le premier arrivé. Whiz, il est génial le sous-marin. Et la première plongée s'est passée parfaitement. Eh bien, tant mieux, oui, oui. Tous les amis du pays des jouets sont ici. Il n'y a pas assez de place. Oh, non. Encore eux. N'ayez pas peur, ils ne vont pas perturber le ballet aquatique. N'est-ce pas, les pirates? Mais non. Nous regrettons beaucoup d'avoir dérangé votre entraînement. Et merci d'avoir aidé à retrouver notre ancre. Les pirates, vous voulez bien qu'on monte sur votre bateau pour regarder le ballet aquatique? Naturellement, voyons. Et tout le plaisir sera pour nous. On est de fous. Merci. Merci. Oh, et merci à toi d'avoir sauvé notre ballet. Ah oui, oui. Tu veux participer? Qui, moi? Oui, avec joie. Au revoir, tout le monde.
cache-cache, mais c'est quand même mieux quand on est plus nombreux. Allons voir si on trouve des amis pour jouer avec nous. Attention doucement, Lindy. Oh, désolée, Wiz. Ce moteur est beaucoup trop lourd à porter. Mais ce serait plus facile pour moi avec un peu de magie. Lindy, on l'a déjà dit, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. On doit faire son travail de la bonne manière. On va simplement utiliser le méga aimant qui attire les objets métalliques. Il ne parvient pas à soulever ce moteur. Mais il va y arriver, il suffit d'augmenter la puissance, c'est tout. Oh, mais... Oh. Ah. Oh. Waouh. Lindy, débranche l'aimant. Non, non, pas ce bouton-là, Lindy, non. Waouh. Waouh. Je pensais te voir pour te proposer de jouer à cache-cache. Bzz, mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne t'a jamais appris à jouer à cache-cache? C'est un jeu génial. Tu te caches et tu attends qu'un autre joueur te retrouve. On fait comme ça? C'est presque ça. Il faut absolument trouver un bon endroit pour se cacher. Une cachette difficile à trouver. Bon, je vais te faire voir. Montrez-vous, les amis. Je suis là. Ah, ça, c'est un jeu extraordinaire. J'adorerais jouer à cache-cache. Tu peux aller jouer, Wiz. Et moi, je m'occuperai du garage. Oh, bon, d'accord. Mais surtout, n'oublie jamais. Mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Alors n'oubliez pas, vous devez rester bien caché jusqu'à ce que quelqu'un vous retrouve. Attends un peu, j'enregistre l'instruction. C'est noté, je dois rester bien caché jusqu'à ce que quelqu'un me retrouve. C'est bien ça. À présent, je compte jusqu'à 20. Et vous, vous cherchez un endroit où vous cacher. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Un balayage rapide des données que j'ai en mémoire m'a permis de localiser une cachette idéale. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'arrive, bien caché ou non. Je reviens vite, ma petite voiture. Oh non, ma chère petite voiture de sport. J'y suis presque. Il y a quelqu'un ici? Non. Non, personne par ici. Bonjour les soldats de plomb. Bonjour, oui, oui. Attendez une seconde. J'avais bien vu. Ça y est, je t'ai vu, mon petit Zim. Déjà un, plus que deux. Merveilleux. Tout un après-midi bien tranquille. Dis-moi, Lindy, j'ai eu un accident. Il faut me réparer ça d'urgence. Et moi, j'ai besoin d'être remonté. Oh là là, me voilà bien occupée d'un seul coup. Voyons, voyons, où Mirou a-t-elle pu se cacher ?
J'ai une idée. J'aimerais bien connaître un bon endroit pour faire un pique-nique. Eh bien, il y a un joli coin au bord de la rivière. Et sinon, avec mes copines de la maison de poupée, on va... Oh, oui, oui. Tu m'as bien eu, n'est-ce pas? Oh. Je t'ai trouvé, Mirou. Allô? Ah, c'est toi, oui, oui. As-tu enfin retrouvé Wiz? Non, il ne manque que lui. J'ai retrouvé tous les autres. J'aurais besoin de lui très vite ici pour des réparations. Pourrais-tu le retrouver d'urgence? Entendu, Lindy. Je vais demander aux autres de m'aider. Wiz? Wiz, où es-tu? Il faut peut-être se séparer et le rechercher un peu partout. Très bonne idée! Mais où est-il passé, Wiz? Cette cachette est sensationnelle. Ah, oui, oui, ne pensera jamais à chercher ici. Bonjour tout le monde. Pas la moindre trace de Wiz nulle part. Bon, j'ai bien essayé d'étudier son grand livre de mécanique, mais je défie quiconque d'y comprendre quelque chose. Oh là là, c'est affreux de voir ma belle voiture comme ça. Et moi, je suis complètement à plat. Oui, oui, comment pourrions-nous faire pour retrouver Wiz? J'ai besoin de lui. Mais si, il y a moyen, votre aimant. On va le retrouver grâce à la force magnétique. Génial! C'est bon, Mirou. Tu peux mettre les mains sous tension. Entendu, oui, oui. Oh, j'ai des petites cuillères tout à fait comme celle-ci. Il ne semble pas que Wiz se soit caché tout près d'ici. Mirou, essaie de pousser les mains jusqu'à sa puissance maximale. On va essayer, oui, oui. Personne ne trouve ma cachette. Non. Personne ne trouve ma cachette. Non. J'ai l'impression d'être vraiment très doué à ce jeu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Wiz, enfin je t'ai trouvé. Eh oui, c'est à toi de te cacher maintenant. Oh, nous n'avons pas le temps. Lindy attend ton retour au garage avec impatience. Ah, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma première partie de cache-cache. Merci bien de m'y avoir invité, oui, oui. Tu es vraiment fort à ce jeu, Wiz. Bien trop fort pour moi. Eh oui, mais la prochaine fois, j'essaierai de me cacher un peu plus près. Tu me vois réellement impressionnée, Lindy. Et tu as réparé ces voitures toute seule. Naturellement, Wiz. Et elle a même remonté Souriceau. Bonsoir tout le monde. Et tu as fait ça sans utiliser la moindre magie? Chut, non, arrêtez. Chut, mon petit Zim. Chut, ma voiture, c'est l'anniversaire de Mirou et on lui prépare une belle fête. Elle devine toujours ce que nous lui avons préparé, mais cette année, je voudrais réussir à faire une véritable surprise. Oui, oui.
Qu'est-ce que tu fais ce matin, Oui-Oui? Tu ne serais pas en train d'organiser une petite fête pour quelqu'un? Peut-être un bon pique-nique avec des sandwichs et un beau gâteau à la crème et à la gelée de framboiseille? Non, Mirou. Ou alors un grand bal d'anniversaire installé sur la place avec des trompettes et des tambours, des cloches et des sifflets. J'adore les grands bals. Mais non, on s'en va juste pour aider Potiron à ranger sa maison. Tu vois, ce n'est pas très intéressant. Ça ne te plairait pas du tout, Mirou. Bon, alors à plus tard. Salut! S'il croit me faire avaler ça, ce n'est pas Oui-Oui qui pourrait oublier mon anniversaire. Je vais simplement essayer de garder l'œil sur lui et j'arriverai peut-être à deviner quelle sorte de surprise il me prépare. Bonjour, Oui-Oui. Oh, bonjour, Oui-Oui. Bonjour les quillons. Bonjour, Oui-Oui. Bonjour, Oui-Oui. Viens jouer, s'il te plaît. Allez, viens. Oui-Oui n'a pas le temps de s'amuser, les enfants. Il vient chercher la carte d'anniversaire que vous avez faite pour Mirou. Je vais la chercher. On revient tout de suite. Moi aussi. Cette année, je fais bien attention de cacher à Mirou les surprises qu'on lui prépare. La voilà. Voilà la carte, Oui-Oui. Comment tu la trouves? Elle est drôlement belle. Hein? Elle est vraiment grande. Comment allons-nous faire pour éviter que Mirou la voie? Oh non, c'est Mirou qui arrive. Elle va voir votre carte. Les quillons, emportons-la dans votre chariot. J'étais sûre d'avoir vu Oui-Oui se diriger par ici. Il est sûrement en train de me préparer un anniversaire extraordinaire. Bonjour tout le monde, vous avez le cadeau de Mirou? Bien sûr, le voilà, Oui-Oui. Oh, c'est quoi comme cadeau ça, Oui-Oui? C'est un diadème de princesse. Mirou en rêve depuis toujours. Hé, hey, regardez-moi, je suis la princesse de Mille et Mille. Rendez-moi ça, Majesté Quillon. C'est Caracol qui va livrer le cadeau. Maintenant, on va chercher le panier du pique-nique. Prochaine étape, le salon de thé. Où petit trou, Caracol? Tada! Coucou tout le monde! Votre petite Mirou de fête est arrivée! Oh, pardon, monsieur Scarabée! Oh, mais où sont-ils passés? Je sais! Ils sont allés chez monsieur Culbuton pour me préparer un pique-nique surprise! Il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil. J'ai toujours... Bonjour monsieur Culbuton. Bonjour Lindy. Bonjour Oui-Oui. J'ai préparé un pique-nique surprise pour Mirou comme tu me l'avais demandé. Moi j'ai préparé la pâte. C'est parfait. Naturellement Oui-Oui. Le pique-nique surprise c'est ma spécialité. Il y a des bons petits gâteaux et des brioches à la crème. Ça a l'air très bon. Portons ça jusqu'à la voiture. Pas la peine, Wiz n'est pas là. Et donc? En route tout le monde. Nous avons encore toute la fête à organiser. Coucou, c'est moi. Vous avez vu Oui-Oui? Non, on ne l'a pas vu depuis des siècles. C'est vrai, nous ne l'avons pas vu. Et nous n'avons vu aucun pique-nique surprise non plus.
Je pensais vraiment les trouver tous ici. Oh. Ah, mais peut-être qu'ils ont trouvé un meilleur endroit pour y faire la fête. Un endroit absolument extraordinaire. Je parie que je pourrais le découvrir. Ce n'est pas si difficile pour une petite Mirou de fête. Comment faire une surprise à une personne aussi curieuse que Mirou? Comment allons-nous nous en sortir, Oui-Oui? Nous avions prévu de préparer toute la fête avant l'arrivée de Mirou. Mais le problème, c'est qu'elle est déjà là. Nous allons être obligés de trouver un autre endroit pour cette fête. Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous. Oh oui, oui, c'est ennuyeux. On ne trouvera jamais un bel endroit tant que Mirou nous surveillera. Il faut tout le temps se déplacer pour qu'elle ne nous trouve pas. Oh, mais tu as raison, Mélissa. On va faire une fête qui se déplace tout le temps. Ce sera une grande parade d'anniversaire et Mirou en sera la vedette. Ça va, vous pouvez sortir. Il faut que j'aille voir Wiz à son garage. Lindy, sais-tu pourquoi il y a de la confiture sur cette clé à molette? Non. Wiz, Lindy, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Oui-Oui? Oui. Je cherche de quoi faire une parade d'anniversaire. Oh, ça c'est facile, Oui-Oui. Avec un peu de magie, on va bien t'arranger ça. Mais pas question de ça dans mon garage. Je te l'ai déjà dit 100 fois, Lindy. Je sais. Mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Oh, il faut quelque chose qui soit monté sur des roues. On pourrait prendre ma remorque. Oui, mais il lui manque peut-être un petit air de fête pour l'instant. Un petit air de fête? Mais oui, on peut faire quelque chose. Tadam! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Oui-Oui? Ben, ça ne ressemble pas encore au char d'une jolie princesse. Ah! Alors ça, c'est vraiment parfait. Mirou va sûrement l'adorer. Lindy... Bah quoi? C'est pas de la mécanique. J'ai beau avoir cherché partout, pas le moindre projet de pique-nique. Oh. Après tout, Oui-Oui a peut-être vraiment oublié mon anniversaire. Tiens, il y a de la musique par là-bas. Et c'est de la musique de fête. Joyeux anniversaire, Mirou! Oh! Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un anniversaire surprise pour toi, Mirou! Tu vas être la princesse de la fête et sur des roues! Oh, c'est merveilleux! Mirou, voici un cadeau d'anniversaire de notre part à tous. Oh, j'ai toujours rêvé de porter un diadème. Merci beaucoup! Bon anniversaire! Ah, tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise. Finalement, nous aurons réussi à te faire une véritable surprise. Venez les amis, venez tous à la grande parade d'anniversaire. Avec ce tour. Oh. Bonjour, Oui-Oui. Et bonjour, Zim. Bonjour, Madame la Quille. Je n'attendais pas votre visite aujourd'hui. Les enfants ont voulu venir te montrer ça, Oui-Oui. Regarde, c'est notre super grande collection de coquillages. On les collectionne depuis des années et des années. Et des années. Waouh. Montrez-moi ça.
c'est ça? Oui, oui. C'est une très belle collection. Ça vous dirait d'aller tous à la plage ramasser plein de coquillages? Oh! On peut, maman? Bien sûr, nous pouvons, mes petits quillons. Oui! Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages. Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages. Bonjour, les amis. Bonjour. Où allez-vous comme ça? Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages. Et nous, nous aidons Étincelle et Barbotine à décorer leur villa. Nous voulons un toit étincelant. Comme ça, on nous verra à des kilomètres. Sans me vanter, je suis un expert en décoration. Sirène, sirène, il faut t'aider les sirènes. C'est vrai, on est là pour ça. Sirène, sirène, il faut t'aider les sirènes. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. Tard. Alors, comment va-t-on décorer votre maison? J'ai une peinture d'un joli bleu, celui de ma voiture de sport. Je ne préférerais pas. Toutes les deux, nous avons ramassé des perles, des coquillages et des jolis cailloux au fond de la mer. Et si l'on en décorait notre toit, ça ferait une maison idéale pour des sirènes. Pas de problème, un jeu d'enfant pour un costaud. Jumbo le portera aussi. C'est ici. Est-ce que c'est un bon endroit pour ramasser des coquillages? Oui, oui. Oh oui, il suffit de regarder autour de soi. Et voilà. Un coquillage. Oh, j'adore les coquillages. Allez, cherchez un peu vous-même. J'en ai un. Oh, moi aussi. J'avais trouvé un rose. Le mien, il brille. On dirait que tu as un nouveau copain, Zim. Et voilà. Oh, oh. Top là. Oh. Oh, oh, oh. Et voilà. On a fini. Oh. Non, pas tout à fait, Sourisseau. Il reste encore un endroit vide au milieu, là. Attends, ce coquillage-là ira très bien. Il est juste un petit peu lourd. Oh, ça c'est un boulot pour un vrai costaud. Oh, oh, oh mince, il s'est décollé. Essaie d'appuyer plus fort. Voilà. Mmh. Oh, d'accord. Alors là, il va falloir toute la force d'un éléphant super costaud. Oh, 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 petite bêtise. Oh, notre toit. Je crois que je n'ai pas senti ma force. Alors, combien de coquillages dans votre collection maintenant? Je ne sais pas, oui, oui. On n'a plus assez de doigts pour les compter. J'en ai tout plein comme ça. C'est sûrement la plus extraordinaire collection du monde. Oh. Bonjour, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Allô, c'est oui, oui. Hein? Oh non, j'arrive tout de suite.
Il y a un problème à la maison des sirènes. Il faut que j'aille les aider. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je reviens très vite. Ne vous éloignez pas trop pour que je puisse vous retrouver facilement. Oh, quelle catastrophe! On ne sait plus quoi faire, Oui-Oui. Si moi je n'y arrive pas, qui va le soulever? Pas de soucis, Jumbo. Je crois que j'ai un plan à la Oui-Oui. En route, Zim, à l'aéroport. J'en ai trouvé un autre. Alors là, ça fait encore plus. Il y en a tout plein par là-bas. Elsie aussi. Et là. Ne vous éloignez pas trop, mes petits quillons. Oh là là. Réparer le toit avant la nuit? J'en suis persuadée. Oh, le voilà! J'en vois le crochet! Avance un peu, Oui-Oui. Un petit peu plus à droite. Tu y es, Oui-Oui. Bravo. Bravo, Oui-Oui. Allô? Oui-Oui, nous avons besoin de toi. On est allé trop loin sur la plage et la marée est montée et on ne peut plus revenir. J'arrive tout de suite. Je survole le rivage. La plage est vraiment très longue, Oui-Oui. Comment vas-tu faire pour nous retrouver? Pas de soucis, j'ai une idée. On va avoir besoin des coquillages des quillons. Oh. Oui, je les ai vus, Zim. Ils ont marqué l'endroit avec un grand X tout en coquillages. Ici, on est ici. Venez vite, les amis, montez! Tout le monde à bord, faut s'envoler! Oh, beau sauvetage, Oui-Oui. Désolée de nous être éloignés. C'est triste d'avoir dû laisser nos coquillages. Notre belle collection, elle est perdue. Nous n'avons pas utilisé tous nos coquillages. Vous pouvez en prendre les quillons. Des coquillages. Des coquillages. Il y en a plein. Moi j'adore les coquillages. Coquillages, coquillages, on a trouvé des coquillages. On a tout plein. Tu vois, Zim, le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du pays des jouets que je n'apprécie pas beaucoup. Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble. Bonjour, Oui-Oui. Potiron, c'est le jour du grand rangement, tu n'es pas chez toi en train de nettoyer? Ma maison est déjà toute propre. Tu as déjà fini à cette heure-ci? Comment as-tu fait ça? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci. Des saucisses. Oh, hein, non, pas du tout. Non, pas du tout des saucisses. Hein, c'était... Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est... La poudre magique a tout faire très vite. En voudrais-tu une petite pincée? Non. Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement. Non, je ne crois pas. Ah, dans ce cas,
C'est vraiment incroyable. Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire. Bonjour, petit rond. Monsieur le gendarme. Bonjour, oui, oui. J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure. Jamais vu un coup de balai aussi rapide. C'est vrai. C'est grâce à cette poudre magique. Potiron m'en a donné. Elle fait tout faire beaucoup plus vite. Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu. Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi. Go. Oh, mon pantalon. Ça lui fait un effet très surprenant. Ça alors? Oh, 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 oh là, oh là, oh là, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, 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 oh. Hein? La grande montée de la colline? Oh non. Il faut l'aider à s'arrêter. Vite, taxi, rattrapons ce pantalon. Monsieur le gendarme, vous ne pouvez pas ralentir? Impossible! Oui, oui, mon pantalon est devenu incontrôlable! Attention devant! Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement. Oul, oul. Monsieur Culbuton, attention! Pâtisserie! Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Mais où va-t-il maintenant? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi. Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous. C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement. Il faut que je range un peu. Oh, non, oh toi, je pourrais te garder. Oh, et toi, tu peux encore servir. Oh, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé. Oh, attention. Il vous va très bien, monsieur le gendarme. Vous avez vu monsieur le gendarme? Oh, oui, je crois qu'il est parti par là. Ou alors par là. Il paraissait très pressé. Tindeli, tindela. Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année. C'est tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Wiz. Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net. Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre. Tu tiens vraiment à ce que je les range? Oh oui, Lindy. Tu te souviens? Un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien si son outillage n'est pas rangé à sa place. Exactement, Wiz. Oh, j'ai mal aux jambes. Tout cela n'est plus très drôle, vraiment. J'ai presque fini. Tu as entendu, Wiz? Laisse-moi me concentrer. Et voilà le travail. Il va falloir que je recommence tout mon rangement. Il faut arrêter, monsieur le gendarme. Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique. Ah oui, il est passé comme une tornade au garage au moment où je terminais mon aspirateur turbomatique. Lindy, peux-tu monter là-haut, voir où il est allé? Oui, j'y vole. Il arrive juste sur le circuit. Oh, ça tourne. Ça retourne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, oui, oui? Je crois que j'ai un plan à la oui, oui. Au secours! Oh non, ça retourne encore! Oh non, le pont! Je commence à être vraiment très fatigué maintenant. Tenez bon, monsieur le gendarme!
Je n'en peux plus. Fais vite, oui, oui. Il va repasser dans quelques secondes. Au secours. Vite. Est-ce que tout va bien, monsieur le gendarme? Presque à plat. Oh, merci, oui, oui. Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur le gendarme. On va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Whiz, j'ai trouvé. C'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi? Whiz. Oh, mon turbo-aspirateur. Voilà, la voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, on le voilà qui passe. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups, attention, je passe. Vas-y, vas-y, tu vas le voir, oui, fonce. Attention, on s'arrête. Qu'à le rapporter à monsieur le gendarme. Non, merci beaucoup, oui, oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pourchassé un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. J'ai l'honneur de déclarer Miniville complètement rangée. Oh, vive le jour du rangement. Bravo, oui, oui. Potiron, ta poudre à tout faire très vite nous a beaucoup aidé. Non. Bien attrapé, oui, oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, Potiron. Oh, ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football, n'est-ce pas, Zim? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme? Avec le plus grand plaisir. Oh, oh, hey. Il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Attendez-moi, j'arrive. Lindy, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah, tu m'as bien demandé de commander des roues, Whiz. Des roues, oui, mais pas aussi énormes. Ne t'inquiète pas, je sais comment les rapetisser. Oh non, Lindy. Oh, je sais. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Bonjour tout le monde. Oh, waouh, les grandes roues. Oh oui, beaucoup trop grandes. Bon, oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venue chercher ma remorque, Whiz. Aujourd'hui, c'est la fête de la tarte aux framboiseilles. Tiens, je ne la connaissais pas, cette fête de la tarte aux framboiseilles. Une fois par an, nous allons tous dans les bois enchantés pour y cueillir des framboiseilles. Après, Monsieur Cubuto les prend et les écrase pour nous préparer de bonnes tartes à la framboiseille. Oh, c'est ma tarte préférée. Whiz, j'aimerais beaucoup venir, mais il faut que je fasse quelque chose avec ces roues. Elles peuvent attendre, Whiz. Tandis que la fête de la framboiseille, c'est une fois par an. Tout le monde est arrivé, oui, oui. Êtes-vous prêts à cueillir les framboiseilles? Oui, 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 on est prêts. Voilà,
comment ça, sournois? Il y a des gens qui s'amusent drôlement. Oh, regarde par le télescope, vite. Ils sont tous en train de cueillir des framboiseilles. Oh, Berk, des framboiseilles, ça doit être pour cette horrible fête qu'ils célèbrent chaque année. On va s'amuser. Non, je veux dire, on va s'amuser. Oui. Et pour un lutin, quelle est la règle numéro 1? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Bon, alors dans notre catalogue des bidouilles de lutins, on devrait trouver quelque chose d'efficace. Ah. Oh. Attrape, caracole. Oh, 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 oh. J'ai trouvé une réserve de framboiseilles. Oh, 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 oh. Ça va, c'est assez haut. J'y arrive tout juste. Oh, là, il y en a une belle. Oui? Je l'ai. J'ai presque fini. Oh, Fino, ce n'est pas exactement le même que sur la photo de notre catalogue. Eh oui, ça n'est jamais pareil, sournois, jamais pareil. Tout le monde a bien travaillé. Et maintenant, videz vos paniers dans la remorque. Encore un petit effort, les amis. Plus vite nous apporterons ces framboiseilles à Monsieur Culbuto et plus vite il nous préparera des tartes. Allons-y. Toi, tu vas distraire la voiture pendant que moi, je décroche la remorque. D'accord. Ça veut dire quoi, la distraire? Ah, simplement lui parler, mais pas un mot à propos de la remorque. Ah bon, d'accord. Oh, salut, petite voiture. Oh, il y a beaucoup d'arbres ici, hein. Ça nous empêche de voir la forêt. C'est très facile, cette histoire de distraire. Et je n'ai pas dit un seul mot sur la remorque. Oh. Oh, mais c'est ma voiture. Hé, hey, nos framboiseilles. Elle est morte, sournois. Oh, il y a un vol de framboiseilles. Rattrapons cette remorque. Oh, c'est drôlement dur de pédaler là-dessus. Hein. Oh. Oh, ça, c'est vrai, je suis épuisée. Oh. Oh, Fino, voilà, oui, oui. Fino, il nous rattrape. Il ne nous aura pas si nous quittons la route. Oh, et oui, c'est comme ça, ma petite voiture. On ne peut pas les suivre sur un chemin aussi chaotique. Oh non, oui, oui, ils ont pris toute la récolte de framboiseilles. Oh, plus de framboiseilles à préparer. Plus de grande fête de la framboiseille. Comment je vais pouvoir les poursuivre sans casser les roues de ma voiture? Je sais. Whiz, on va avoir besoin de tes grandes roues. Finalement, j'ai réussi à semer, oui, oui. Ouais, joli travail, Fino. Ici, dans les bois, il ne nous rejoindra jamais. Et le temps qu'ils retrouvent leur récolte de framboiseilles, elles seront beaucoup trop pourries pour servir à faire des tartes. Mais elles seront parfaites pour nous. J'adore les framboiseilles pourries. Sournois,
Est-ce que c'est ton ventre qui gronde comme ça? Non, mais on dirait... Oh, on dirait un monstre. Monstre. Oh. Oh. Plutôt un monstre voiture, les lutins. Avec ces roues géantes, on passe vraiment n'importe où. Plus vite, sournois. Mais je n'en peux plus. Regarde devant toi. Vous allez bien, les lutins? On va même très bien, oui, oui. Vos framboises sont complètement écrasées. Fini la fête de la framboiseille. En fait, vous nous avez plutôt rendu service. Qu'est-ce qu'il dit? Pour faire les tartes, Monsieur Culbuto devait écraser les framboiseilles. Vous lui avez évité du travail. Oh. Les tartes aux framboiseilles seront prêtes dans quelques instants. Oh. Quelqu'un voudrait de la crème avec sa tarte? Oh non, merci. Merci beaucoup, oui, oui. Oh, je peux servir la crème. Non, moi, c'est moi, c'est moi, c'est très amusant. Au revoir, au revoir, au revoir, c'est moi. Désolée, les quillons. Le travail le plus amusant, on va le laisser à Fino et Sournois. Vous aimez bien vous amuser, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas nous amuser. Nous n'aimons pas ça du tout, n'est-ce pas, Sournois? Oh,